L'État de Côte d'Ivoire ambitionne de développer les petites et moyennes entreprises. Dans le cadre de sa traditionnelle rencontre avec les candidats aux élections, le patronat ivoirien a reçu le secrétaire général de la présidence, représentant le président de la République de Côte d'Ivoire, à son siège dans la commune du Plateau à Abidjan. Patrick Hachi a dévoilé ce qu'il a appelé le rêve du candidat Ouattara en présence des chefs d'entreprise. Il s'agit pour lui de stimuler la croissance du secteur privé qui constitue un pilier fondamental dans l'économie du pays. Une croissance qui ne peut être possible sans une ressource humaine qualifiée. Considérant le rôle prépondérant que joue le secteur privé dans le développement du pays, le gouvernement a engagé d'importantes réformes structurelles et sectorielles afin de lui permettre d'assumer pleinement sa position de locomotive dans la croissance. C'est dans ce cadre que le gouvernement a adopté, après le plan national de développement 2012-2015, d'un montant de plus de 11 000 milliards de francs CFA, le PND 2016-2020 de 30 000 milliards de francs CFA, pour relever notamment le défi de l'industrialisation et de l'économie ivoirienne. Les patrons d'entreprises principaux concernés par cette rencontre ont présenté leurs difficultés et leurs priorités. Eux se disent convaincus et prêts à œuvrer pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Ils souhaitent un fonctionnement effectif des projets mis en place, également l'installation des entreprises dans les autres villes de l'intérieur du pays. Les PME ont besoin de formation. Quand on nous dit par exemple que les dossiers ne sont pas au complet, les entreprises ne sont pas bien formelles et tout ça, on a besoin d'être formés, on a besoin d'être suivis. Et il faut d'autres politiques pour vraiment amener aux PME à être vraiment au point pour être financées sans difficulté. Il faut qu'il y ait un dialogue franc entre nous et les banquiers, entre nous et l'État, et que l'État puisse mettre vraiment un système qui peut huiler les choses pour permettre à toute entreprise d'obtenir un financement pour pouvoir avancer et que la Côte d'Ivoire soit industrialisée. La rencontre avec les candidats à l'élection présidentielle est l'occasion pour le patronat de découvrir les projets de ces derniers pour le développement des entreprises. Les petites et moyennes entreprises représentent 98% du tissu économique formel de la Côte d'Ivoire et 20% de la richesse naturelle. Les militants de l'opposition ivoirienne jugent la médiation de la CEDEAO comme un échec. Lors d'une conférence de presse animée au siège du PDCI RDA à Abidjan-Cocody, Pascal Afinguessan, porte-parole de la plateforme de l'opposition, a fait savoir que la mission de la CEDEAO a marqué une impuissance de cette institution face aux revendications. Il affirme qu'elle a échoué dans sa résolution de crise liée au processus électoral. Contrairement à nos aspirations, à nos attentes, que la CEDEAO pourrait nous permettre d'avancer, cette mission a marqué une sorte d'impuissance face aux revendications de l'opposition et une sorte d'impuissance à amener le gouvernement, le chef de l'État et sa coalition politique à faire des concessions. On peut considérer donc que la mission a été sanctionnée par un échec. Dans la foulée, la plateforme a affirmé que la situation actuelle en Côte d'Ivoire mérite une attention particulière. Ainsi, elle en appelle à la médiation d'autres institutions régionales et internationales. Je voudrais lancer un appel au nom de la plateforme des partis politiques de l'opposition, à l'Union africaine et à l'Organisation des Nations Unies. Votre médiation est indispensable pour renouer le dialogue avec un pouvoir sourd aux appels à la raison, aveugle aux douleurs infligées à son peuple. Je demande instamment au nom de tous les partis politiques, membres de cette plateforme, que l'Organisation des Nations Unies soit résolument aux côtés du peuple ivoirien. La CEDEAO a eu une mission ministérielle de 2 jours en Côte d'Ivoire, au cours de laquelle elle a appelé les parties prenantes à éviter les actes de violence et privilégier le dialogue inclusif.
sixième chef du village de Guitrozon dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, Ziabaï 4, 75 ans, prend les rênes de son village en 2012 après les tragiques et douloureuses périodes liées aux crises de 2002, 2005 et 2010-2011, avec à la clé plusieurs centaines de morts dans son village. Priorité des priorités pour cet ancien adjudant chef-major de la gendarmerie ivoirienne, redonner le goût de vivre à son peuple. Il transmet ainsi les dossiers de plusieurs centaines de victimes aux autorités. Et 63 victimes ont bénéficié à ce jour d'une indemnisation. À chaque décès, à chaque victime, on octroyait une somme d'un million de francs à son ayant droit. Et aux blessés qui portaient encore les séquelles, 150 000 francs CFA. Mais c'est comme une goutte d'eau dans la mer, hein, par rapport aux victimes. Mais ce que nous devons retenir, c'est que c'est un début. Nous souhaitons que ce soit un début, hein, le début du commencement, et que cela se poursuive parce que beaucoup n'ont pas été encore servis. Son village est pour le moment épargné des tensions préélectorales de la présidentielle du 31 octobre 2020. Ziabaï 4 demande néanmoins une maturité de la classe politique ivoirienne pour éviter de replonger le pays dans le chaos. Nous prions que tout se passe bien, voilà, et que nous demandons aux hommes politiques de s'entendre, parce que ça découle toujours des hommes politiques. Ça part toujours des hommes politiques. Voilà, nous demandons à ce que ces gens-là s'entendent et nous présente une situation meilleure à ce que nous avons connu il y a 10 ans de cela. Guitrozon, c'est en 2020 plus de 1500 habitants, dont la plupart sont des Ouais. Au pied de la montagne de la Panthère est la signification du nom du village en langue locale Ouais. Cet hangar de fortune occupé par quelques vendeuses de bois de chauffe, c'est ce qui reste du marché Guéré en face de la mission catholique, 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011 faisant plusieurs centaines de morts à Dieukoué. Érigé en pleine crise, il symbolisait donc la fracture sociale. Il était en effet fréquenté seulement par les Ouais, peuple autochtone de la ville. Par peur d'être les victimes des autres communautés, ils ne se rendaient plus au grand marché de Dieukoué destiné à tous. Les derniers occupants du marché Guéré y sont aujourd'hui encore pour d'autres raisons. Où j'ai parti là, je ne sais pas, puis je suis venu ici. Il n'y a pas place au grand marché. Au marché là, on ne vend pas Fago là-bas. C'est pour ça que je suis venu ici. En 2020, la quasi-totalité des occupants du marché Guéré ont réintégré le marché principal de Dieukoué pour matérialiser la réconciliation entre les différentes communautés 10 ans après la crise. Mais la présidentielle du 31 octobre 2020 préoccupe les uns et les autres ici à Dieukoué. Guéré va venir faire acheter Yakuba, Yakuba fait acheter Guéré, Guéré fait acheter Baoulé, Baoulé fait acheter Mossi, Benoît, tout ça en harmonie. Tout va très bien. En tout cas, pour les élections, c'est seulement moi-même personnellement, ça me fait peur. Et on sent qu'il y a la réconciliation. Pas tellement Dieukoué m'a peur même de revenir en arrière. Mais on doit avancer, pour ne pas que la guerre se reproduise ici. Les élections passées, ma cour familiale a été brûlée. J'ai perdu deux parents. Bon, donc quand je vois qu'on dit qu'il y aura élection, j'ai beaucoup peur. Ville cosmopolite, Dieukoué est également une ville martyre et a même été l'épicentre de différentes crises, dont 2002, 2005 et 2010-2011.